Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit tournoi du vendredi, fin de la semaine, donc lundi. C'est génial. Et j'espère trouver du monde. Bon, allez. À tout de suite. On est contre 50 nuances. Ça va être compliqué. Bon, étant donné qu'il a une meilleure composition, on n'a pas trop le temps. Bon. Va en comme ça, on va pas lui faire perdre ses pilules de résurrection. Tout ira pour le mieux. Bien évidemment. Ok. On va partir donc sur l'équipe donc Lara bien sûr. On y va, on essaye une nouvelle fois. À tout de suite. Courant en tout pareillement hein. Il a Chichui, il a la première attaque. On va pas lui faire dépenser des petites pilules de résurrection, évidemment. Alors, on est dans quelle situation par rapport aux pilules de résurrection, justement. Commence à baisser drastiquement quand même. Bon, bah écoutez, pas de problème. Oh, punaise, c'est peut-être il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à effectuer. Du coup, on va pas ressusciter puisque bon, avec des pipes de résurrection, c'est quand même compliqué. On a peu de temps pour faire tous les deux tournois ou quoi, etc. Donc, autant utiliser les pipes de résurrection alors plein de potentiel et c'est à peu près certain de s'en sortir. Donc, je vais juste. Que là, on est dans la situation où on peut servir de pipes de résurrection, mais. Véritablement, ce qui va se passer, c'est que je risque de dépenser des pubs de résurrection ou même ne pas faire tout ce qui est compté, donc avoir l'opportunité de faire tous les matchs de tournoi ou quoi, donc pas de problème, de toute façon, on va gagner un petit peu moins de récompense, et puis ça reste pareil, j'imagine. Bien. Bien sûr, on a visé Naruto, on laisse le double effectuer les ultis. Comme ça, on mange un maximum d'attaques standard avec le Naruto. Donc, il monte en puissance, il monte en Ultutsu. Et en même temps, il fait des dégâts. Donc, au prochain tour, je vais foncer sur le Naruto, je pense. Sûr. Ah, quoi, il y a toujours l'option avec l'Obito. C'est peut-être pas si grave que ça. Il y a dépensé esquive. Ah, je crois avoir lancé Obito. Je ne l'ai pas lancé. Visiblement, je n'ai pas. Lentement, ah, c'est déjà. Ah, si, c'est. Il a été lancé. Ok, très bien. Eh bien, on se retrouve à nouveau dans la jungle du tournoi. On lance et on verra bien ce qui se passe. À tout de suite. Ok, on trouve donc un adversaire. Il s'agit de Lilou. Hein, donc, une proposition qu'on pourrait qualifier d'un moitié blitz. Hein, pas extrêmement autorisé à lancer nos ultis. Donc, je vais faire conserver tout ça. Programmation de défense contre qui même marrant et qui est et Kakashi était, je pense qu'on est pas mal. On a peut-être le timing de lancer un ulti. Vu qu'il a lancé deux ultis en face, on a deux attaques standard pour gagner notre ulti. Avec la barrière du Kimero, c'est peut-être pas mal. Bien sûr, c'est surtout le Kakashi était qui a fait une menace.
Ok, donc là on est totalement libre d'utiliser nos ultis sans pénalité. On lance l'ulti au prochain tour sur le main. Non, si c'est peut-être. Ok, donc on lance l'ulti sur le main. Ah, et il y avait l'ulti Obito pour gérer le Kimimaro, donc on était plutôt. Allez, on y retourne, à tout de suite. Ah, pour. Il y a toujours la première attaque, je crois. Ah mince, dommage. J'aurais peut-être pu abandonner. Tant pis. Allez, on y retourne, à tout de suite. Ok, Zenyario 1. Et donc on est autorisé à lancer nos ultis. Alors qu'on se méfie notamment du Orochimaru, je pense. On va lancer notre Kakuzu. J'ai envie de prononcer l'ulti du Menho. Contre le Minato, on va sélectionner la défense, étant donné que bon, on va pas trop le cibler spécifiquement. Donc il risque d'avoir le champ libre, donc si on peut essayer de se protéger un petit peu par rapport à ça, c'est peut-être pas trop mal. Le retour 2, le Togepi va foncer sur lui. Il n'a pas foncé sur Naruto, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas une menace. La menace principale, c'est le Orochimaru. Les Hokage s'accumulent sur le terrain, c'est compliqué. Donc, on va essayer de faire ça. Jamais il ne se contente qu'il tape ses blessures éventuellement. Peut-être se poser la question de si on utilise l'ulti Obito, sachant que si jamais on décide de faire ça, tranquille. Ok, le compte est bon du coup. Donc si jamais et là on décide de faire ça, il faudra faire attention au schéma qui apparaîtra bien sûr. Bon. Les éléments, il reste plus qu'un seul ninja sur le terrain, on peut lancer Obito du coup. Je gardais un petit peu l'Obito pour être certain de la bonne cible. D'essayer de voir s'il fallait se débarrasser du Minato ou non, bien sûr. De la menace principale du coup qui restait. Donc voilà. Bon, écoutez, à tout de suite. Ok, on est bon face à Dane. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Ok, il y a un Shikamaru, on va pouvoir commencer à infliger quelques dégâts avec le Kakuzu. Oui, d'accord. Ok, ça se passe vraiment plutôt très très bien. Et d'où ça base un Victor, donc ça c'est nickel, c'est problématique. Oui, d'accord, très bien. On récupère des récompenses sur cet élément, écoutez, pourquoi pas. Il faut que je remette le son sur le compte de Cendre et combien 20 minutes c'est chaud c'est quand même chaud je réfléchis mais... ouais. Je me dis peut-être que la composition de Gigetsu etc ça met peut-être plus le temps à se mettre en place que enfin, je sais pas. De rapidité mais on va dire que ça se voit et ça me permet d'utiliser une équipe que j'utilise assez peu et pourquoi. Allez, on y va, à tout de suite. Ruby Trail, ok. Oula, on va voir un petit problème technique là, non? C'est qui a la première attaque? Oh, ça date de bon, oh,
Donc je crois que je vais être un stade de galérien sur Vrar, ça va être glorieux. Ah, mais Matsunade va avoir plein de techniques également. Il y a la première attaque. Ben, je bats jamais une équipe comme ça. Plus de combativité, la première attaque, une composition de meilleure qualité. C'est juste imperdable pour lui, donc il n'y a pas. En plus, je manque cruellement de temps pour réaliser le tournoi. Allez. On va essayer d'y aller comme ça, et puis bonne chance à nous, hein, j'ai envie de. Ok, c'est le nouveau Dain. Très bien. Pas membre du groupe, donc on peut y aller. Et bah, du coup, on y retourne. Évidemment, je dis tout de suite ça et on tombe sur quelqu'un d'autre. D'accord, Naruto, moi je suis là pour vous. Bien. Alors il y a quand même un Naruto, donc évite de péter les plombs avec nos ultis. Naruto est assez résistant. Contre les Minato pour nous. Quelques petits dégâts avec une poursuite, ok, d'accord. Voilà, nickel, parfait. C'est pas très bien. Victoire. On va essayer d'y retourner du coup. À tout de suite. Ok, 50 gars de Zuka. Qu'est-ce qu'on joue? On est où c'est quoi le groupe? Il a déjà repli face à moi, donc on va repli. Alors, Gengetsu, Zabuza bien sûr, et le petit Mane Pro. C'est plutôt cette poursuite qui convient un petit peu mieux. Avec quel compte? Ah oui, le compte de chambre, très bien. C'est bon, c'est bien positionné, on y go. Allez, à tout de suite. Ok. Entrons contre. Oula! Oula, attention quand même aux Zabuza. Oh, j'ai pas envie de. J'ai empêché de faire beaucoup de choses. Ok, l'adversaire abandonne. Honnêtement, il y avait moyen de faire quelque chose. Entre Jinpachi, Zabuza, etc. Ah. Bon, bah, là, c'est. Ah, ça va être un peu plus compliqué. Oh! Oh! Repli, très bien, bon, on continue. Hein. Allez, let's go, on y go. À tout de suite. Ok, très bien. Et donc là, faut faire gaffe au Shuaru. Il y en a auto également. C'est excellent. Si on plante directement sur le rouge marron. Allez, on va y aller un petit peu plus.
l'offensive avec le Zabuza. Aïe. Au tour 2, on a ralouti Gegetsu pour faire un petit peu la différence. Allez, on y va. Chocli Broly, bien sûr. Ok, parfait. Let's go. Et on continue. Ah non. Oula, bah du coup 5 stars sur le compte. Ok, c'est surprenant parce que bah, honnêtement, c'est assez peu de temps ou quoi. C'est très bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt.